Tu peux me soutenir gratuitement, pour cela c'est très simple, va dans la description, clique sur mon lien Tipeee, tu peux regarder jusqu'à 3 clips par heure, merci poto. Eh salut les amis, j'espère que ça va. Je me suis dit, pour commencer cette année 2019, est-ce qu'on se ferait pas un petit côté nostalgie, est-ce qu'on se ferait pas un retour en arrière? Et je me suis dit, bah ce serait marrant, je trouve, de commencer une Ligue des Masters avec, vous rappeler les joueurs à l'ancienne avec les noms, et je pense qu'on va se rappeler, se remémorer tous beaucoup de souvenirs. Donc on n'est pas là pour être pro player, on est là pour rigoler, pour du délire et surtout pour se remémorer des souvenirs, les amis. Ah, donc on va commencer une petite Ligue des Masters. On va se mettre en normal, hein. On va pas aller chercher déjà la petite musique qui rappelle beaucoup de choses. On va se mettre en normal. Et donc, bien sûr, on va commencer avec les joueurs originaux de la Ligue des Masters. Bah oui, on est obligé, les mecs. Sélectionner l'équipe, je propose qu'on se fasse une petite Ligue 1. Je m'en rappelle, à l'époque, j'adorais la Geoserre qui était en Ligue 1. Ah, donc, j'ai le choix entre 4 ligues. Ligue A, c'est espagnol plutôt. Ligue B, italienne. Ligue C, anglaise. Et Ligue D, on est plutôt sur... on a un peu de tout, on a de la Juve, on a un petit peu de tout. Ligue B, 8 équipes s'affrontent, 14 matchs aller-retour, les deux premières équipes sont automatiquement promues. Bonus pour le champion, 5000 PES. Alors on commence tout de suite avec le match 1. Et donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Le vestiaire, donnée de l'équipe adverse, formation. Ah, et regardez ça les amis, regardez ça. Là, c'est forcément des noms qui vont vous dire quelque chose. Ivarov, Valeni, Djarik, Stremer, Dodo, Luga, Espimas, Ximeles, Minanda, Ordaz et Castolo. Des noms qui résonnent pour moi. J'étais jeune. Je me rappelle de ces noms. Aïe, aïe, aïe. Et sur le banc, on avait qui? On avait Lothar, Zamenov, Sessiu, Lieberman, Ruskin. Mais j'ai l'impression que c'était hier, je me rappelle. Willian, il allait, je crois que Willian, à un moment, il allait super vite, Willian. Et en face, on joue contre Toulouse avec Duchesse. Il y avait Jérémy Mathieu, Siriex, je me rappelle, Emana, Mansaré. Je me rappelle parce que j'aimais beaucoup Toulouse aussi. C'est-à-dire le mec, il aimait toutes les équipes. Et donc, eux, ils jouent avec 3 défenseurs en espèce de 3-4-2. On va se mettre un 4-4-2, nous, ou 4-4-2 classique. Hein. Voilà, on va se mettre avec un 4-4-2 comme ça. On a lui. Il va vite. Ruskin. Voilà, ça nous fait cette équipe-là, les amis. Pas mal, hein. Une espèce de 4-4-2 offensif. Voilà. Et eux, ils jouent en 4-4-2. Ok. Ah ouais, je m'en rappelle de ça. Régler les marquages et tout. Je crois que eux, je leur mettais ça qui monte. Et du coup, on va mettre défensif sur lui. Tac, lui qui redescend. Voilà. On va jouer comme ça. Gagner un peu de fatigue. Et du coup, ça changeait leur forme. Ah oui, c'est ça. Fallait pas forcément ceux qui étaient déjà en flèche rouge. Fallait... Ouais, ils ont tous monté. Quitté. Ok. Fiche de suivi. Alors là, ouais, on pouvait voir l'évolution. Djarik, je crois qu'il montait bien. Djarik. Ah là, voilà. Ça, c'était super. Ça, je trouve que c'était super parce que du coup, tu voyais la... Tu voyais la courbe des joueurs et tu pouvais prévoir s'ils allaient devenir bons ou pas. Par exemple, un Valeni qui avait 32 ans, on voit qu'il était quand même sur la pente descendante. Un Ruskin, alors lui, c'était lui, il montait bien. Ruskin, forcément, 20 ans. Le petit Horda, c'est pareil, il montait bien. Et derrière, on a quand même pas mal de jeunes. Et bon, on va partir faire le petit match. Auxerre contre Toulouse. Ah oui, les maillots. On va se mettre comme ça. La GIA, bon, au niveau des flèches, on est pas mal. On voit qu'il fallait régler, gérer la fatigue. La petite barre en dessous, c'est vrai, ça, je ne me rappelle plus. Bon, on va partir là-dessus. Hein. On va partir là-dessus, on va voir ce que ça a donné. Je suis plus nul, les gars, je vous le dis. Ouais, c'est pas mal, la petite présentation. C'est vrai, je m'en rappelais plus de ça. Et le stade de la Baie des Champs d'Auxerre, je peux vous dire qu'il ressemble pas du tout à ça. C'est pas le délire, on n'est pas dans le même délire, tu vois. Christian Jean-Pierre, Jean-Luc Haribard, mais bien sûr. C'est bien dégueulasse pour l'instant. Oh vache. Les joueurs regagnent les vestiaires pour la pause.
Que pensez-vous de ce match, Jean-Luc? Un bon? Nous voilà dans la deuxième mi-temps. Les entraîneurs des deux camps ont mis les choses au point durant la pause. Y aura-t-il des changements? Oh, y'a rien. Voyons quelle équipe va prendre le contrôle. Oh la vache, il a drop un pigeon. Il a drop un pigeon, j'irai eu Mathieu. Oh le vieux match, oh le vieux match. Tout pété. Je comprends pas, quand j'appuie un tout petit peu sur la touche tir, ça me fait des... Ça remplit la jauge à fond. Je sais pas si c'est pas ma manette qui est mal... Qui est mal configurée ou je sais pas. Là on joue contre SBV. Oh là, je sais même pas qui c'est. Ah, oh, de l'autre côté. Oh là, oh là, je fais quoi? Faute. Ça c'est dessus. Coup franc situé à bonne distance. J'ai eu chaud. Il y a 5 joueurs dans le mur. À trop de pression, ça part au-dessus. Première occasion de but, enfin. Excusez-moi. Là, c'est chaud. Il a frappé trop fort. C'est au centre. Oh là. Il est aussi nul que moi. Il peut frapper rapide. Oh lolo. Oh, je fais deux matchs d'affilée, deux matchs nuls, mais nuls. Oh lolo. Et là, j'ai zéro occasion. Oh là. C'est dur. Hein. Bon, pour l'instant, je suis avant-dernier. Ça va, ça passe, ça passe. Match suivant. Alors, je compte Sedan. Ouais, mais ils sont plus forts que nous. Nous, on est une équipe. On est une équipe de saucissons. Au niveau des forts, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. De l'autre côté, il y avait qui qu'on connaît? Bella. Ah, Malfitano. Maurice Bellet. D'accord. Ouais. Ouais. Allez, c'est la victoire. Première. Une occasion de centrer. Oh, dommage. Encore. De cette façon-là. Bien joué ça. Encore. Oh lolo lolo, Melotti met un drop, j'appuie un tout petit peu. Comment ça se fait ça? C'est quoi cette manette? J'appuie un tout petit peu. Ça serait que ça les gars, dites-moi. Oh là là, l'action était de toute beauté. Ah, ça va mieux quand je joue sur cet écran. Ah, c'était pas pour lui. Oh la vache, il m'a tué Maurice. Oh, Maurice, il m'a tué. Encore. Il peut s'enfuir à partir du côté droit. Oh là là, le but. Bastien, fous-moi la paix. Ah, je m'ai défendu, je suis nul. On n'a maintenant pas le choix, il faut égaliser. Oh là 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 là. Ils ont toujours le ballon. Bien, Ximénez. Oh, mais non, mais il fait une passe, elle est affreuse. Bien reçu. Il manque vraiment de coordination. Bien, un streamer. Très belle passe en profondeur. Oh, laisse l'action, là, gardien, là. L'arbitre. Bon travail en tandem. Ah, bah là, on va être au fin fond du classement. Là, on va être dans les bas-fonds des bas-fonds. Laisse tomber. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Oui, bah je suis nul, les amis. Je peux pas. Allez, là, faut qu'on remonte, on joue contre Christophe Willem 2. Je sais pas qui c'est, Willem 2. Mais oui, mais mon équipe, elle est nulle. Faut qu'on recrute, les gars. Et je reconnais personne, là. Allez, il y a moyen qu'on gagne quand même un match, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur PV. On va pas finir la première saison qu'avec des victoires. Oui, avec Castello, je te sens bien sur ce match-là. La rencontre bien oh, mais appuie ta passe, garçon. De foot, difficile de dire ce qu'il va arriver. Allez, Louga. Allez, Louga. Oh lolo. Oh lolo, le cafouillage. Le gardien qu'il est nul, mon Dieu. Mon Dieu, mon seigneur qu'il est nul. Oh lolo, mais à faute, monsieur l'arbitre, là. Allez, vas-y, le contre. Je t'ai vu dans l'axe. Mais lui mieux, mais j'en peux plus de cela.
Voilà, toi tu te bats au moins. Mais ils font pas les bonnes passes aux bonnes personnes. Y a pas faute, y a pas faute, monsieur l'arbitre. Je suis désolé. Je suis désolé. Vas-y, on va pas se faire battre par Christophe Willem là. Et vous allez dire, ah mais t'es nul. Oui, je sais, les gars. Pas la peine de le dire dans les commentaires, je sais que je suis nul. C'est pas grave. Moi aussi j'ai le droit de vivre. C'est pas parce que je suis nul que. Voilà. Oui, tout seul. Mais non, mais tire! Mais non! Mais putain, je sais qu'il faut que je tire avant de rentrer dans la surface. Les gardiens, ils sont sans pitié là-dedans. Voilà! Elle était toute beauté, l'action. Allez, Rustine. Ah, Beluga, qu'est-ce que tu me fais? Mais il laisse l'action! Mais à chaque fois! Oh, c'est fait bouffer! Oh là là là! J'aimerais bien avoir une occasion quand même, des fois. Oh, mais c'est pas possible des passes comme ça! Oh, mais qu'il est nul! Oh là là, pas juste à côté, Minanda. Bon, peut-être pas juste à côté, mais pas très loin quand même. T'as comment je fais le gros pressing là-dessus? Mais non, mais ta passe, elle est dégueulasse. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Oh là là. C'était de toute beauté. Allez, sur le corner là. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Il y a un problème, c'est pas normal. Je tire, ça fait des drops. Oula, toi, c'est quoi ça? Coupe de D2. Peut-être pas obligé, si. Toulouse. Oh, je rejoue Toulouse. Je rejoue Toulouse. Je vais me faire casser en deux. Vas-y, on va faire tourner, c'est la coupe. On va faire tourner Ordaz, il est mort. On va mettre Amzoum. Je ne changerai pas de formation, on ne se mettrait pas en 4-3-3 plutôt. Pour l'instant, on est dans le mal. On est dans le mal, on est comme Marseille en ce moment. Aujourd'hui, c'est le retour de la victoire. Allez, allez, allez. Oh là 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 là, on se prend une tour. Tout seul. 40e minute de jeu, le score est toujours Et tout seul, tout seul, tout seul. Allez, allez, pour le couloir. Oh là, qu'il Ça n'avance pourrait pas. être un centre. Oh là, Charretman. Une défense intraitable, superbe. Oh ben oui! Bien sûr, le premier but! Le premier but en 12 matchs, mais c'est pas grave, ça passe, ça passe. Bah oui, bien sûr, débordement sur le côté, le centre tendu et au deuxième, bien sûr. Tout à fait. C'est de toute beauté. Allez, 1-0, j'en ai rien à foutre. Finalement, c'est peut-être pas plus mal cette formation, attends. Ah ouais, je crois que je peux sauvegarder cette formation. Super, Dodo. Allez, tout seul sur le côté, encore. Oh, il lui met mal. Non, c'est quoi cette passe? Allez, Samsung. Oh, le buteur. Voilà, Samsung, bats-toi, garçon. Mais... Il est parti. Bah oui, Mako. Encore Mako. Samsung, t'étais où, frérot? Oh, on les met en panique sur le côté, là. Allez, encore, encore. La Allez, situation est Rustine. contrôlée. Oh lolo, il était tout seul, Elmander. Dernier quart d'heure, il faut tenir, faut tenir. Allez, mais Rustine. Fofana, il me fait mal sur le côté à chaque fois. Mais vu qu'il monte 3, après, il y a des espaces sur le côté. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a un 3 contre 2 devant. Ah, 3 contre 3, du coup. Ah, Mako. Allez, on lâche rien, gamin. Voilà, super, c'est ça que je veux voir. Allez, Samsung. Mais il n'est pas sorti, Samsung. Oh la faute, monsieur l'arbitre. Faut sévir un moment.
Mais quoi cette frappe? J'appuie un tout petit peu. Je crois que c'est ma manette, elle déconne, c'est pas possible. Ça c'est moins super. Et oui, la première victoire. Bah oui. Bon bah les mecs, j'espère que cette vidéo avec le petit retour dans le passé vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez qu'on continue cette Ligue de Master, pourquoi pas en live ou en vidéo, bah dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais des bisous, mes petites merguez, et je vous dis à la prochaine. C'était Luthor, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo mon poteau, et n'oublie pas le gros like.